Tube. Salut YouTube. Je sais que tu adores Hearthstone, alors c'est parti. Elle est bien dans certains sizes, ok. Donc c'est l'aventure, la nouvelle aventure. Et le premier chapitre est gratuit, évidemment. Seulement le premier, faut pas déconner. Ok. Allons-y. Et j'ai vu Kriparian y jouer, il avait 20 victoires, ça avait l'air full débile. Alors en gros. Donc là je joue mage pour l'instant parce qu'il y a ça. Donc imprévu les coffres, votre adversaire commence la partie avec la carte cache d'argent, d'accord. Pour l'instant j'ai pas le choix, je joue le l'explosion de feu, le hero power de base du mage. J'ai pas le choix, je prends ça, donc j'ai quoi. Ouais... Découvre un sort qui coûte 3 cristaux ou moins, les sorts coûtent moins, inciblable. D'accord, des DPS et un truc. Encore un sortilège, 3 points de vie, gel. Métamorphose premier pourri. Alors en gros j'ai vu... Enfin Kriparian lui quand il jouait, au moment où il jouait il avait genre 6 Anthony Das dans son deck. A chaque fois qu'on gagne en fait un combat, on choisit 3 nouvelles cartes. Parmi un pool de 3, bon ça a l'air full débile. Et c'est parce qu'il joue en expert aussi je crois. Mais en expert ça a l'air facile. Qu'est-ce qu'elle dit elle? Pouvoir héroïque, échange la carte la plus à gauche de la main de chaque joueur avec une de son deck. Bon d'accord. Possiblement laisser de la merde à gauche quoi. Incroyable. Donc ouais j'ai dormi de 22h à 3h du mat, donc j'ai fait une sieste à un moment. Mais là j'avais envie de faire ça. Merci Domido89B et Torx. C'était comment Critical Role hier? En fait le problème moi de Critical Role c'est que j'arrive pas à rester focus pour regarder tout un épisode. Donc le peu que j'ai vu une heure, c'était bien. Mais à part les 2-3 premiers épisodes de la saison, j'en ai vu aucun. Donc j'étais perdu. Mais ils utilisent l'application D&D Beyond qui permet d'avoir les points de vie et les fiches de perso sur la droite. Et c'est chambé. Mais c'est une extension officielle D&D pour Twitch. Et pour les autres jeux, c'est pas jeu de rôle, c'est pas disponible. Mais du coup, ça m'a redonné envie de faire du Donjons et Dragons, parce qu'à l'époque, on s'était dit oui, Donjons et Dragons, c'est surfait, faudrait faire autre chose. Mais en vrai, Donjons et Dragons, c'est toujours bien. Merci, Lisandru. Donc pourquoi pas. Si je déménage, on fera ça dans mon sous-sol. On va contre-visiter la maison. Sinon, on fera ça dans un studio. Mais le problème, c'est trouver un maître de jeu, et j'ai pas envie d'un maître de jeu avant qu'on me dise demande à Maillard. J'ai pas envie d'un maître de jeu qui fait déjà du jeu de rôle sur Twitch. J'avais un contact mais je l'ai plus. Et c'est compliqué de demander. Faudrait que je demande sur les réseaux sociaux un maître de jeu qui peut incarner les PNJ, qui est très bon en écriture aussi, etc. Bref, un Matthew Mercer, pas facile à trouver. Ensuite, écumer les milliards de randoms qui vont me répondre. Mais qui ont la capacité d'acting d'une moule. Et ensuite, il faudrait que George fasse un call vidéo Discord ou Skype avec eux et qu'ils me fassent une quête solo de 1 heure pour que je vois ce que ça donne. Mais bon, pour l'instant, des Matthew Mercer en maître de jeu en France, on n'en a pas vu. Hein. Quoique Pi est bon. Alors, yes. Donc c'est quoi son coffre de merde? Donne 2 cartes la pièce à chaque joueur quand il meurt. Okay. Personne vouloir nous voler butin pour raison pas connue. Travail terminé. Je sais pas pourquoi je pose cette merde. C'est quoi déjà? Ah oui. Attendez votre. Ah merde, donc mon corbeau, il nique. Ah mais j'ai un sort et ça tombe bien. Vu que ça, il va gagner un PEV. C'est du génie. En vrai, autant faire ça. Et prochain tour, je peux faire... Je peux la poser à la limite. Ou bien je peux directement poser les Lemdo. Mais je pense que c'est pas mal poser les deux au prochain tour.
Désolé, vous êtes dans la mauvaise file. Ok. Suivant. Nice. Oh non, c'est chiant. Non, j'aurais pas dû faire ça. La ça dépend. Vérité est ici. Parce qu'en gros... Si je pose... En fait, c'est con parce que si je pose ça et je fais mon sort, bon, d'accord. Quoi que si, c'est ok. Je peux le tuer. Je vais pas faire double pièce pour poser mon token, c'est la misère sexuelle. Ah mais mon MDO du coup je vais l'avoir dans le cul. Ah oui mais avec les deux pièces. Ah non c'est ok. Bon on s'amuse. Mon LMDO voilà dans mon cul. Ah mais tour de magie c'est encore mieux. Il est gratos. Plus l'autre il va encore prendre des pèves. Ok. C'est énorme. C'est énorme. Dommage pour mon pommier pourri. LOL. Énorme. Suivant. Ah non. Le profanation de ses morts. C'est ok. Formulaire 489C. Ça fait combien de temps que je live? C'est tellement épuisant. Ça fait 14 minutes 36. Qu'est-ce qu'il a fait ce connard? Ah jusqu'à mon prochain tour. C'est énorme. Ah mais il se prend la fatigue en plus, lol. Cette file n'en finit pas. Ouais, je manque de carburant. Énorme. Ouais, on a gagné une fois. C'est la BO de Katana Zero, ça. Aucune idée. Aucune idée. Peut-être. Peut-être. Alors. Tac. Ok, alors. Dalaran est jonché de puissants artefacts. Ah voilà. Et là, on découvre un effet passif qui sera donc présent sur toutes les parties à venir. LOL. Effet passif, vos serviteurs ont rué, c'est fort. Réduit de moitié le coût de vos cartes, mais vous ne pouvez en jouer que deux par tour. Alors il avait ça, Crib. Alors évidemment, quand on commence à avoir des cartes très très chères, c'est pas mal. D'autant plus qu'il y a un autre truc qui permet de réduire les cartes. Les serviteurs adverses coûtent un cristal de plus. Ah, c'est pas mal ça aussi. Alors en vrai, robe d'or. Les trois sont fumés. La robe elle est folle, mais deux par tour ensuite ça peut être chiant si on a un deck par exemple. Là le deck, le cheminement de ce deck crée beaucoup de cartes. Donc la ruée. Hein. Et voilà. Et donc, votre premier sort, ouais, Kalegos, bon ça c'est un peu trop too late. Prix de guerre, chaque joueur pioche deux cartes. Une fois que vous avez lancé un sort, infligez un point de dégâts, ouais d'accord.
Métamorphose. Découverte de sort fort. Ah oui, le portail, c'est fort le portail. Et la pyro. Incroyable. En vrai, j'aime bien créer des cartes. Je prends de jouer gros. Plus nous avançons, plus les ouais, oui, qui inflige un point de dégâts, combo inflige 2. Je vous conseille de commencer. Celui de droite est meilleur. Et bah, ma merde. Et bah, merde. C'est dommage pour la mage, la ruée. Ouais, mais c'est ce que je me disais, la ruée pour un mage, c'est bizarre, mais bon. Tant pis, on l'a pris. On vous a fait confiance. Ça, c'est terrible. Donnez-moi votre trésor. C'est ainsi. C'est ok en vrai. Quoique j'aurais pu chercher l'apprenti sorcière. Ruée, c'est sûrement full nul. Bon, à part s'il pièce pour tuer mon gars, il va survivre. Avec tour de magie, hero power. Ok. Ah oui, merde, ça monte des infos en bas à droite. La petite description, on le voit pas. C'est trop bien Hearthstone Tracker. Pourquoi j'ai dit Hero Power alors que... Ah oui, mais je m'en fous. C'est pas... Ah oui, parce que tout à l'heure, oui. C'est pas... Autant pour moi, tout à l'heure, il coûtait 0. Ok. En vrai, je pose le corbeau. Que ça me buff le truc. Ça, Victor Dioxaron, c'est un peu troll. Hein. J'ai un T3, vas-y, je prends le T3. Je pense que Ruée, c'était de la bite en bois. Hello, hello, des bisous. Je sais que Ruée, c'est fort, mais là, on joue mage qui crée des sorts. Donc c'était discutable. Ouais, c'est un peu de la bite. Enfin oui, ça le mettrait à 5, donc il survivrait, mais il a son pouvoir de chiotte. Donc ma vie, c'est de la merde. Sinon, je pose juste cette bite. Et je face. Ah oui, c'est vrai que j'ai rué. Ah bah voilà, c'est le trade. Mais oui, c'est vrai que j'ai rué. C'est le trade utile. Ah mais oui. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Détruis un démon. Ah d'accord, il va soigner. Ok, énorme. Énorme, énorme. Bon bah, je vis ma meilleure vie, hein. Allez-y. Faites-moi plaisir. Donc ça combatte. Okay. Écoutez à ma lame à double tranchant. Ma vie, c'est de la merde. Ah mais non, je suis con. Ah bah non, je pouvais pas hero power. J'ai pas mis létal, je crois que j'ai pas mis létal. Mais c'est nul ce qu'il vient de faire. Deux fois plus douloureux, mais surtout deux fois. C'est bon, j'ai pas mis létal. Pour le plaisir. Ah oui, on découvre en plus, c'est énorme.
c'est énorme, c'est énorme. Oui, ruée, c'est juste les serviteurs. C'est charge qui permet d'attaquer le héros. On va encore trouver une légendaire dans un booster du pif. Alors. Oui, Pyrose, donc on pose un élémentaire qui en met un plus gros quand il meurt. Dans le deck. Dégalisseur plus 2, chais. Ah d'accord, ça c'est élémentaire parti. Double barrière de glace, oh, c'est petit joueur ça. Alors en vrai, les mechas, que de souvenirs le déchiqueteur piloté. Les mechas dégâts des sorts avec la ruée plus les invoques en râle d'agonie, c'est marrant. Ajoute un tour de magie aléatoire dans votre main. Légendaire aléatoire, la piñata, Milouz. Eh, n'empêche, l'arène 12 victoires que j'ai faite avec le démoniste, j'avais pas eu le choix, j'avais pris Milouz dans ma draft. J'ai fait 12 victoires. Énorme. J'ai déjà oublié quel était son pouvoir héroïque. Ok, pas mal. Ah oui. Ah oui, d'accord, c'est ça, tour de magie. Ça doit être autre chose. C'est aléatoire. Ouais, bon, bref. Allez, toujours plus de RNG dans ma RNG. Je ne dirai rien. Quel beat envoie. Je prends le méga. Ah oui, mais c'est vrai qu'il est réduit, donc c'est mon T6. C'est ok. En arène, c'est fou. C'est vrai que Milouz a peu été bénéfique pour mon adversaire. Bon, attention parce que ça peut snowball ces conneries. Hein. Oh là là, Jana Lai, faut commencer Hero Power. Là j'ai que ce sort là. C'est pas dingue hein. Ensuite, match du Kainter est un T3 correct. Non, c'est William je pense, hein, Jana Lai. Ah, bro, hello dit Mage. Mage il a... Ensuite, j'ai déjà un T3. Mais au T4, je peux jouer, ouais, je peux jouer T3, T1, donc c'est ok. Ah oui, c'est vrai que j'ai rué. Est-ce que j'ai intérêt? Bah, en vrai, ouais. Ah, mais il va gagner qu'un avec les coins. Parce que je vais devoir coin avant et coin après. Et non, c'est le coin après sur nul en plus. C'est full nul. Ouais, non, mais ouais, le Wyrm, j'avais oublié avec le coin, ça aurait été fort. Entre nous, c'est de la ça aurait été marrant. Parce que c'est vrai que j'avais Wyrm rué et je le boostais direct de 2 en attaque après. Bon, c'est pas grave. Regardez, on passe de bons moments. Est-ce que vous trouvez pas qu'on passe de bons moments? Nous avons de nombreux secrets. Moi, j'ai posé cette bite en bois. Alors en vrai, pourquoi j'ai fait ça? C'est un sort cette merde. Ah oui, je peux le jouer un externe. Ah ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse.
Bon, c'est ballsy, mais si ça passe, on est content. Parce que là, j'ai mon, mon sort à 5. Je peux posséder 2 T6 d'un coup. Ok, c'est full nul. Ouais, je m'en fous. Cimer. Et c'est parti. C'est parti pour la foire à saucisses. Les sorts coûtent 2 de plus. Ah oui, bon, ça c'est en cri de guerre. C'est le cri de guerre qui est intéressant, là on s'en fout. Cri de guerre ajoute un serviteur légendaire aléatoire du passé dans votre main. Dommage. C'est 2-5-5 quoi qu'il arrive. Les sorts coûtent 2. C'est pour tout le monde ça. C'est pas que pour moi. Mais en vrai, on va prendre Toki, je pense, du coup. J'ai pas envie de me nerfer. Surtout que je vais draw des sorts encore. LOL! Attendez, ouais, bah, de toute façon c'est rué donc. Pas trop le choix. Ouais, bon, c'est easy tier. Hein. C'est vraiment, on passe de bons moments avec cette aventure. Mintos de faire un Worms. Waouh. J'avoue. Ah putain, il a pris ça lui. Moi je voulais pas. Ça pioche toute sa vie. LOL! Ok. Ok. Il était bien nul son tour. Il était bien à chier. Ah oui, il a mis un secret. Fils de sa mère. Ah mais c'est nul. Ah, il a peut-être barrière. Mais c'était... c'était incroyable. Ah là, il faut attendre là. Là je suis en... Ouais. Je suis en pleine aventure là, super intéressant. Merci Chef Glouglou, Hydroxy, Chastili, Max 2012 pour les Prime, Sora Raccoon, Isandru, merci encore. Alors, choisissez un trésor. Illustrer l'immortel, cri de guerre, relance tous les sorts que vous avez lancés sur ce serviteur pendant cette virée. Hein? Comment ça? Je comprends pas. Ça veut dire qu'il faut en avoir plusieurs. Ou je comprends pas. Ah oui, ça c'est marrant. Confère charge, furie des vents, bouclier divin, vol de vie, toxicité, provocation et camouflage à un serviteur. Et le singe, super sphère simienne, invoque le roi Mukla. Lui confère insensible et ne peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque. Mukla, c'est le 5-5, c'est ça? Ouais, 5-5 pour 3. Et sauf que là, on donne pas les bananes, quoi. Mais en plus, on lui donne... Attends, comment ça... Ah oui, mais j'ai rué. Insensible avec... Oh là là. C'est énorme. Ok, alors... Ah, des mechas encore. Galvaniseur réduit de 1, cristal le coup des mechas de votre main, le déchiqueteur piloté again. Si vous possédez un mecha, inflige 4 points de dégâts à tous les... enfin, aux adversaires, de manière aléatoire. Le Talnos ne peut attaquer que si vous avez dégâts des sorts. Bon, oui, j'en ai. Le Drake Azur à l'ancienne, yes, avec la pioche. Double barrière de glace, mage du Kirin Thor. Non, mais ça, c'est de la bite en bois, quoi. Ensuite, le Galvaniseur, c'est un peu... c'est claqué, mais bon. Enfin, je pense que c'est quand même un mecha, hein. C'est le mage mecha. Ah oui, alors ça c'est aussi nouveau dans l'aventure. Qui abrite toutes sortes d'individus méprisables, tels que nous. Alors j'ai mal compris parce que je l'ai vu. C'était super rigolo, il buffait ses mecs. Ah oui, je crois qu'il avait fait ça. Il avait buffé un de ses Antonidas et il était passé 9-11. Modifiez votre deck d'aventure pour cette virée. Ah, c'est ça la virée. Ah, mais merde. Donc la légendaire, la meuf légendaire, c'est ça la virée, c'est en taverne. Donc si j'arrivais à la booster pendant la taverne en mode vénère, elle était boostée pour mon deck. C'est marrant en vrai. Donc là, ça me pose des cartes au pif. Rencontrer de nouveaux clients. Entrez. Ouah, sympa. Et là, en gros, j'ai deux manas et j'ai un seul tour, je crois. Hein.
Donc en gros, il y a 3 de mes cartes là. Vous choisissez un serviteur adverse, l'ajoute dans votre deck. Pas mal. Vous choisissez un serviteur allié, le retire de votre deck. Ça c'est gratuit si je veux enlever une carte de mon deck. Donne +2/+2 à un serviteur allié. Ah. Putain, j'ai bien envie de booster le corbeau. Alors qu'est-ce qu'on veut prendre là? Découvre une carte de mage, prêtre ou démoniste. Invoque un dragon 5-5 pour chaque sort coûtant 5 plus que vous avez lancé dans votre partie. Sylvanas, évidemment, Râle d'Agonie prend le contrôle. Et Izra, Izra c'est vénère aussi. Ouais, Sylvanas, c'est ouf, hein. Ah oui, mais là, si je vais prendre Sylvanas, elle va me piquer un mec. Prenez votre temps, profitez de l'ambiance. Je vais voir comment ça se passe. Ah non, c'est pas débile, c'est vraiment tranquille. Ah mais j'aurais pu booster Sylvanas avant. Lol. Non. D'accord. Voilà pourquoi vous me dites non, c'est allié. Mais c'est pas une. Oui, non, mais c'est en mode gentil. Pourquoi vous vous stressez? Pourquoi vous me cassez les couilles? Voilà, donne +2/+2 à un serviteur allié pendant cette virée. C'est-à-dire que c'est juste là. Il faudrait un truc comme la légendaire d'avant qui garde ses boosts. Là, le corbeau va pas garder les boosts, en fait. Si? Je suis pas obligé de lancer tous mes spells. Ah, d'accord. Est-ce que j'ai pas envie de retirer un truc de mon deck cependant? Jouons les méchants! Si, d'accord. Ok, j'ai pas m'énerver. Je la connais cette histoire, elle est bien. Est-ce que j'ai envie de retirer une carte du deck? Il comprend rien. Quoi? La virée, c'est toute l'aventure. D'accord. Non. D'accord. Bah, vous savez quoi? Niquez-vous. Je mets ça sur votre note. Voilà. Alors. Pouvoir héroïque passif. Vos cartes et pouvoir héroïque avec choix des armes combinent les deux effets. Très bien. Un druide, sûrement. Salut, KD. Moi, je pense Nick. Voilà. Donnez-moi votre trésor. Nature, donne-moi ta force. Petit dragon. Ah oui, c'est vrai que j'ai rué. Non, mais c'est tellement la... Oh oui, j'ai mon corbeau 5-4. Oh, quel plaisir, ça. Ok. Ah, et vous comprenez pas, c'est tout. La nature guide. Des arbres issous. Ah, et en plus, si je suis. Ah non, ça fait les deux, c'est vrai. Bravo. Bravo, les arbres issous. Est-ce que j'ai envie de lui donner le coin? Ah, mais ça, c'est de la bite en bois, hein, faut bien l'avouer. J'ai pas de méca là. Mais est-ce que je vais vraiment coin pour un token de ses morts? Non, ah, tant pis, j'assume. Il va le trade. Non, mais je m'en fous qu'il le trade. Ok. Ah oui, avec les coins en plus, on se gave. Ah, et ça? Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Ça, moi je dis ça, quel plaisir! Il se gave, il se gave. Moi j'ai métamorphose, hein. Mais c'est nul. C'est full nul.
Ah, si seulement j'avais boosté mon LM. Oh là là, dommage. Quoi, mais il est insensible. Hein? C'est pas que le premier tour? Mais c'est fumé! C'est complètement fumé! Ah merde, je suis con, j'aurais dû trade avec l'LM et prendre les 5 face. Non mais c'est pas grave, ça me va. Oh non! Ah, il est insensible, mais il peut quand même être toxicité, non? Normalement, non. Jouons les méchants. Ah, mais c'est mais... LOL. C'est énorme. C'est énorme. Ah, il fait rien. J'adore. J'adore ce move. La jungle est notre mère, mais le ciel. J'ai choisi de suivre les deux voies. Mais il a mis les deux points de dégâts à qui? Parce que normalement il cumule les deux. C'est pas clair. Bon bah je pose du board hein. Oh là là, non mais c'est, c'est une boucherie. J'emprunte toutes les voies qui se présentent à moi. Quelle vie. Ah oui, c'est vrai que le déchiqueteur peut faire popper un hospice, funeste. Terrible. Alors, à jouer gros à nouveau. Ah mais il y a technologie là, c'est quoi? Ouais. Oui bon ça, d'accord, c'est pas dingue. Enfin c'est cool mais ça par contre c'est assez dingue. Ensuite, sort de mage lol, lancez 6 sorts ne venant pas directement de votre deck. Non mais ça c'est compliqué. Blizzard, encore une méduse et le pouvoir de la création encore. Les mechas ils sont pas dingues là en vrai. Bon si, Asnid il est marrant mais... Le déchiqueteur est marrant mais... Quoique le T6 quand il meurt... Si, le 7-7 qui pop si on trade directement avec le 2-2, il a rué aussi. Oui bah oui. Ouais, donc c'est fort. Bon, bah, que des mechas, hein, toujours plus de mechas. Golem des fontaines, gèle le premier serviteur qui vous attaque à chaque tour. Ok. Chiant. Prends la quête, mais pour faire la quête. Ah, mais si, parce que tous les sorts que je génère. Ne viennent pas de mon deck. Ah oui, je suis con, donc c'est vrai que j'en générais beaucoup. Mais bon, c'est pas trop grave. Donnez-moi votre trésor.
Si vous possédez un mecha, donc c'est un mecha posé sur le terrain, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué l'explomage. J'aurais dû jeter l'explomage, je pense, mais bon. Oh là là, c'est incroyable. Je passe de bons moments, hein. Ouais, bah ça sera le... Ah, de ma main. Ah, du coup, je peux faire deux apprentis. Non, mais c'est de la bite. La Nova, c'est fort, mais... Mais bon, là, on n'a jamais eu de situation où le board était ouf en face, hein. Prendre Nova, je pense, hein. Allô ? Allô ? Comment ça ? Ok. Tout va bien. Mais c'est de la full beat parce que prendre les coins ici me permet de poser rien, donc je suis un sac à merde. Morse buco. En fait, là aussi, le si est pour jouer le déchiqueteur. J'ai pas de passif à mon deck. Si, ils ont tous rué. Tous mes serviteurs ont rué. C'est pas fumé du tout. Le foie, il me dérange pas. Eh merde, j'ai Sylvanas, c'est vrai, Sylvanas full débile. Mais non, connard! Ah mais oui, c'est vrai qu'il gèle. Putain, c'est casse-couille. Ok. Est-ce que je garde pas Sylvanas vu qu'elle a rué pour un truc vraiment vénère? Ouais, bah si, bien sûr. Ouais! Oh, mais Théor, c'est bien aussi. Non, mais je prends Pyro comme un gros dégueulasse. Quoique non, Météor c'est... Ah mais j'ai déjà un removal avec Sylvanas. Oh, une grosse pyro, hein, comme un gros dégueu. Hop, je l'ai. Ah, la musique du bunker. Énorme. Sylvanas avec Rouillet, c'est fort, bah oui. C'est beaucoup de plaisir. C'est seulement le premier, hein. Ok. C'est quoi ma main de départ déjà? Ah oui, c'est 2, 3, 4. Ah, ça me refait un déchiqueteur. Non, ça me... non, c'est l'explo mais mage gobelin là. Ouais, c'était pas fou quoi.
C'était ça, Explomage Gobelin et je sais plus quel... Ah si, le corbeau, ça me redonne le corbeau. Ah oui, bien sûr. Ouais, bon, en fait, j'ai joué pour pas grand chose. C'est mon plaisir. Je compte stream du Mario Maker 2, oui, à fond. D'autant plus que j'ai pas fait le 1. Putain, ce bi et ce deck gèlent. Ce truc à la bite en voix. C'est vraiment la foire à la saucisse. Ok. Mon corbeau. Oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde. Oh, un laquais. On peut pas le lancer. Bon, ça va me permettre de sacrifier Angèle, c'est merde. Et ça, ça a pas de prix. On s'éclate. Hein? Ouais, d'accord, c'est beaucoup de bruit pour pas grand chose. J'ai l'étal là ou pas? 5, 7, 8, 11, oui, 14 et ping et ça. Bon, d'accord. Bon, j'envoie lui, mais de toute façon, je crois que c'est bon. Quel plaisir. Ah oui, j'avais Pyro à 9. Et autant pour moi, j'avais oublié que j'avais ma sorcière. C'est pas grave, je l'ai fait. Je l'ai fait au spectacle. Ah ! C'est un passif. Voral d'agonie se déclenche deux fois. Alors avec Sylvanas, évidemment, LOL. La légendaire, les mechas qui invoquent en crevant LOL. C'est drôle. La carte la plus à gauche de votre main coûte 2 cristaux de moins. C'est fort. Mais ça peut bloquer. Vos serviteurs qui coûtent 5 cristaux ou plus n'en coûtent que 5. Alors ça, c'est full débile. Quand j'ai regardé... En fait, quand j'ai regardé Creep, il avait ça. Et ensuite, il a pris le truc qui divisait le coût des... par deux, je crois, le coût des serviteurs, mais qui bloquait à deux cartes par tour. Et du coup, il avait des Antonidas qui valaient 2. Et là, j'ai pas beaucoup de très late game. Hein. En vrai, à gauche, c'est un peu débile hein, aussi. Enfin, en râle d'agonie, j'ai quoi? J'ai pas tant que ça. J'ai Sylvanas, le vieux déchiqueteur, le double déchiqueteur en 4, là. Et c'est tout, en vrai. Ouais, le pommier pourri. Ah si, le dragonnet. Ah, le dragonnet, il devient incroyable. Ouais, Freddy Manson, le truc, on laisse pour ça quand on a pris Rué. Sceptre, c'est fort si on prend du méga late game, parce qu'en avoir à 5, c'est fou. Je pense que double râle d'agonie, ça peut être très drôle. Et puis c'est marrant, quoi. Ah, vieux déchiqueteur. Donc là, on a juste ça en râle d'agonie. 3 sorts de mage aléatoires. Râle d'agonie ajoute un sort de mage, donc 2. Lancer 6 sorts ne venant pas... Ah bah voilà la quête.
La fameuse quête qu'on n'a pas pris tout à l'heure. Main du destin, c'est pas mal, hein. Ça, c'est zéro. Et ça, c'est double légendaire, évidemment, mais j'en ai déjà un. Je pense que main du destin, c'est ok. C'est quoi déjà distorsion temporelle ? Je me souviens pas des quêtes, moi j'ai lâché trop longtemps Hearthstone. Ah, tout le monde dit bof la quête. Un tour en plus pour 5, comment ça ? Ah, tu rejoues un tour. Ah oui, c'est un sceptre d'un sort et tu rejoues un tour. Ah. T'auras du mal à remplir la quête avec mon deck ? Bah pas vraiment ! Parce qu'en gros... Qu'est-ce qui me donne des sorts qui viennent pas de mon deck ? Ça ! Ça m'en donne un. Ça m'en donne un deuxième. Ça c'est de la bite. Ah ouais, pas tant que ça en fait. Attendez. Ça m'en donnera deux. Donc ça fait quatre. Ça aussi, ouais, ça m'en donnera... Ah, c'est un cri de guerre, donc ouais, un autre. Et du coup, ça. Ah oui, Corbeau, c'est un serviteur. Ouais, ma bite en bois, donc c'est de la bite en bois. Ah, mais Galva... On part plus sur les mechas, alors. Toujours plus de mechas. Rejouer un tour avec Rué, ça serait fort, ouais. Ah oui, les pièces du coffre, exact, en face. Oh. Voilà, allez. Ça y est, je sabote mon deck avec la quête. Ah, Bob le barman, Bob le bricoleur. C'est énorme. Oh, y'a le Shredder. Oh, y'a lui aussi. Vous illuminez toujours ma journée. Remplis l'auberge de nouveaux serviteurs. Alors, l'auberge, c'est seulement de son côté ou c'est du mien aussi ? Oh putain, encore Sylvanas. Ah oui, c'est vrai, Prince KL7, mais Prince KL7, c'est 0 vu que, évidemment, nos cartes. On a des cartes à deux. Ah, les deux côtés. C'est juste, on change, nouvelle distrib, quoi. Non, mais double Sylvanas avec double râle d'agonie. C'est full débile. Oh, franchement, monter le déchiqueteur, ça paraît obvious. Ah, vous choisissez un serviteur, il gagne +4/+4, mais coûte 2 cristaux. Alors, c'est là où si on avait pris le sceptre qui permettait... de faire en sorte que tous les serviteurs qui coûtent plus que 5 coûtent 5. Ça, c'est full débile. Parce que vous mettez +4/+4 au mecha qui invoque une légendaire quand il crève, il coûte quand même 5. Énorme. Destruction, incendie. Ah oui, parce que les deux champions gelés 0-1, c'est des trucs de merde et quand ils crèvent, ils invoquent, ils filent une légendaire, c'est ça. Mais du coup, 2, parce que c'est du râle d'agonie. Ok. Ah. On a toutes sortes de clients ici. En vrai, un dragon 7... Honnêtement, un dragon 7-6 pour 4, c'est ok. Vous ne trouvez pas que c'est ok, un dragon 7-6 pour 4? Jouons les méchants.
Ah mais de toute façon faut que je monte aussi de 2 et j'ai que 2 points, j'ai que 2 coins. Dragon 7-6 pour 4, c'est insane en vrai. Je n'ai rien contre. Bon, est-ce que je veux. Problème de Syndragoza, c'est si que je booste pas les deux champions gelés. Faut que je les tue avec mon. Ah oui, je les ping. Ah oui, je les ping. T'as Syndragoza, c'est tentant, mais c'est cher 8. Tu peux dragon 9-8 pour 4. Lol, c'est vrai. Je pense que c'est mieux que de. Ah oui, mais vu qu'il est inciblable, c'est super fort. Mais j'ai déjà une Sylvanas. Tire à la carte supplémentaire, mais y'a pas. Ça, c'est pour tout remplacer, non? C'est pour virer ses serviteurs et en mettre de nouveau. Ou peut-être même les deux lignes. Non, il coûte pas 5 parce que j'ai pas pris le truc qui réduit les serviteurs à 5. J'ai pris le truc qui double les râles d'agonie. Jouons les méchants. Bon, vas-y. Le chat en 25 m'avait manqué. Ah, il faut faire un vote. Ah oui, mais du coup, vu que j'ai mis le... On a toutes sortes de clients. Le deck tracker, il n'y a plus... Il n'y a plus... Il n'y a plus le Smart Click Maps. Bon, j'ai... Je pourrais balancer un vote, mais on va prendre Sylvanas parce que c'est full débilos. Destruction, incendie. Mais du coup, faut que je choisisse de monter. Est-ce que je mets le dragon Est-ce que je donne un freebie au déchiqueteur? Ce qui est pas mal aussi, hein. Ou est-ce que je rends le dragon plus cher, mais complètement débile, quoi. 7-6 pour 4, c'est indécent. Ouais, mais c'est que ça me refait du T4 à mort, là. C'est que du T4, après. Ouais, non, en vrai, le fait qu'il soit inciblable, c'est assez mortel. Certaines histoires sont tellement folles qu'elles sont forcément vraies. Et là, je les vire tous. Le gâchis absolu. Pas besoin de rentrer chez vous, mais vous ne pouvez pas rester ici. La dernière fois, Nos poupe en bois. Lui, pouvoir héroïque passif. Chaque fois qu'un serviteur avec camouflage est invoqué, lui donne plus 1 attaque. Okay. Moins. Merci Wenyam pour le sub et Red Bull. Et Coin Pink Face. Merci Red Bull pour les 500 bitcoins également. Désolé, merci beaucoup. C'est il y a 1000 ans. Ah oui, c'est vrai que j'ai pris ma quête de Seymour. Je vais le regretter, cette histoire de quête. Allez-y. Faites-moi plaisir. Bon, alors double sort incoming qui viennent pas de mon deck. Ah merde! Oh, c'est horrible! Non, faut le tuer lui. Oh putain, il m'a face. Oh l'abruti, Dieu merci. Ah, parce que sinon, il m'aurait fait des assassins passion à l'infini, je l'aurais mal vécu. Ah, bravo le veau, quoi. Oh, ça a pas marché pour vous! Ok, pas mal.
Ah mais du coup c'est encore une de ces situations où je suis un connard. Parce que là j'ai pas besoin du coin tout de suite et lui donner ça n'a aucun sens. J'ai pas signé pour ça. Je sens l'odeur du sang. Ah mais c'est génial ça. Ah non, pendant ce tour. Ça c'est insane si j'arrive à le comboter, ça me fait maquette nulle. Jouons les méchants. C'est un élémentaire en plus. Donc je peux l'invoque gratos. Ouais c'est ça. Mais j'en suis qu'à un. Mais j'ai rien. Ah si, c'est bon. J'ai fait de la merde. J'ai fait les pièces pour avoir plus de sorts. C'est normal. Ils ok. Bon, de toute façon, on rigole. On est là pour rigoler, vous savez. Il nous reste plus que ça. Donc, yes. Énorme. Ah, j'aurais pu mettre mon pommier. Non, mais en vrai, c'est ok, hein. Ah, c'est pendant ce tour, fait chier. J'ai qu'à faire ça en vrai. Parce que ça m'amuse. Ok. Donc ça, c'est à garder pour plus tard, bien sûr, mais on s'éclate, quoi. Ce qui est important, c'est de s'amuser, vous savez. What? Hein? Ah, j'avais même pas vu qu'il m'avait. Une fois que j'ai joué un serviteur, on devient la copie, donc faut que je joue une merde, c'est ça? Genre lui? C'est horrible ce qui se passe. Terriblement casse-couille. Ok. Pioche toute ta vie. Ah, voilà, on discute. Ah si, j'ai frag 100 pour le prime. Hein? Oh non, les assassins du Lotus de Seymour. Mais ça m'a cassé les couilles. True story, bro. Ok. Ah bah, je prends son camoufleur en vrai. C'est con parce que j'ai double râle d'agonie, donc... Oui, je peux juste ping pour tuer, mais si je ping, je prends pas possession de ça. Sinon, j'ai monté 7 de ses morts. Destruction, incendie. En vrai, juste poser le T7 suffira à régler.
Bah si je ping, je mets quoi? Je mets déchiqueteur. Ouais, je peux mettre le déchiqueteur, mais bon. Ouais. Oui, je vais mettre ping déchiqueteur, c'est ok. Oui, voilà, pour moi, le T7, de toute façon, avec les deux petits mechas provocation bouclier divin, delay le 6-1, donc on s'en foutait. Mais oui, moi je voulais Sylvanas et Trade, mais tout le monde a l'air en PLS en mode oh mon dieu, fais pas ça. Oh, Maximum. Oui, Sylvanas trigger deux fois, mais si je pouvais tuer Sylvanas, ça serait une autre histoire. Pourquoi je ne peux pas. Juste moi être déguisé en pirate. Ou sinon... Non. Okay. Sylvanas Strait, c'est lui qui récupère la bête. Comment ça? Ah oui, je suis con parce qu'il y a ça. Ah oui, j'avais oublié cette histoire, oui. Ah oui, donc je joue mon T7. Donc c'était bon, j'avais raison. Je vais pas m'énerver. Hein. Putain. Bon, ça, arrête les flèches. Encore ? Quel random ! Bon là on va commencer à rigoler. Allez-y. Oh là là, mais quelle casse-couille ! Que je préfère. Oui, non, je veux qu'elle meure. Personne donc oui. Personne ne doit survivre. C'est ok. Mes yeux sont grands ouverts. C'est ok, c'est ok. Chaque fois que ce serviteur... Ah oui, Shaku. Ok, mec. C'est super. Ah oui, mais si je pose ça, c'est pas worse. Si, ça va faire double invocation. Ok, c'est nul. C'est nul tiers. Ah oui, quoi, je peux envoyer juste lui, en vrai. Ah oui, je voulais mettre le pommier pourri. Non, je fais ça en fait. Ah mais du coup, je l'ai posé pour rien. Ah mais j'ai le létal. Quoi? J'ai le létal. Attendez. Ah oui, avec le tour supplémentaire, idiot. Idiot, le tour supplémentaire. J'avais complètement oublié cette histoire de quête. Excuse-nous, YouTube. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. C'est à moi. Oups. Mais oui. Vous voyez, c'est ok tiers la quête, c'est ok tiers. Alors. Encore un snid, ouais. Ah, ça aussi double. Double râle d'agonie. Oh, la tisse flamme, c'était full débile ça. Quel plaisir. Ok.
Invoque deux serviteurs aléatoires, on est d'accord. Yogg-Saron, lol. Ah mais Yogg-Saron, des fois, c'est un peu trop la foire à la saucisse, quoi. Parce que là, pour l'instant, je suis tellement devant que si c'est pour niquer mon board avec Yogg-Saron... Alors évidemment que Yogg-Saron, c'est rigolo, mais tout le reste, en fait, m'emmerde. Le reste, c'est nul tiers. Non, c'est nul tiers, là. Mais non, mais c'est nul tiers, là, Yogg-Saron. C'est invocation avec ce que j'ai choisi. On pourrait presque débattre que brûler est pas mal. Non mais Yogg, c'est zéro. Brûlé, ok aussi. Ouais, quoique... À part Pyros, le reste... Ça par contre, c'est full débile, parce que je vais pouvoir cloner tous mes trucs à Ral d'Agonie, par exemple. Cloner ces mecs, et ça reste toujours très fort, vu que j'ai double invocation de serviteur légendaire. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a 3 niveaux de Pyros, d'accord. Ah oui. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut pouvoir les poser derrière. Pyros marche pas avec double Ral d'Agonie. Comment ça? Non, mais je prends invocation, allez. Arro soleil couchant, 60 PV. Donne moins 2 attaques à tous les serviteurs jusqu'à votre prochain tour. Oh, c'est horrible ça. Ah, Pyros, c'est trop lent là. J'en aurais trop, ça va me faire chier. Arro soleil couchant. Miss Yogg. Ah, par contre, pour ma quête de merde, ça m'arrange moyennement, quoi. C'est chiant, en fait, parce que ça me prend forcément un slot du mulligan. Mais bon, ça, on a bien rigolé. Ah, déchiqueteur, c'est très bien. Je pense pas à la commu, putain. Dur. Ah, j'ai pas à avoir de T2, sérieux? Ah oui, c'est fort, ça. Non, mais... Bah non, pas métamorphose du coup. Putain, ma vie est nulle. Oh non! Non, sérieusement! Oh mais quel bit en bois! Voilà, cool, il prend le trade. Moi j'ai geyser de flammes, hein. y a pas de mind game là. Ça, je vais absolument m'en débarrasser immédiatement. La métamorphose, c'est... Je pense qu'on peut tanker. Ouais, j'aurais dû... C'est un cauchemar. T'as, faut que je pose un truc, mais j'hésite à le métamorphoser lui là direct, parce que ça c'est vraiment une horreur. Faut que je le mouton, hein, j'ai pas trop le choix. Ça va, y a pas trop de dégâts sur le board. Non.
Je le déteste. Ok, bon, on va envoyer le dragonnet. Il va commencer à se passer des trucs. Mais en gros, lui, il va me détruire, donc c'est de la bite en bois. Oh non! Si, en fait. C'est ok. C'est chiant que ça soit pas lui, mais c'est ok. Et voilà, c'est bon. Pas de lumière. Les ténèbres. Ah bah cool, merci! La lumière sera peut-être nécessaire. Oh chiant! Grosse musique, misplay, non mais on s'en fout, on est là pour rigoler vous savez. Là les misplay je les compte pas, je prends beaucoup de plaisir. Oh non mais... Oh Nick ! Nick ! Ça va. Ça va, mais nique, hein, quand même. Ok. C'est plutôt cool. Putain, il me casse les couilles. J'ai la place, hein. Oui. C'est zéro. Ensuite, il coûte moins. Ah non, mais je suis con, j'aurais pu refaire Grimoire. Je me déteste. Non, mais c'est ok. Je fais quoi là? Je peux faire Torch Ping? Ah, mais ça suffit pas. Il y a toujours deux facettes. Ma vie est nulle. Chose, y compris la lumière. C'est chaud bouillant. Mais Torch Ping, ça suffit pas? Oui, Torch et Pirate, ça d'accord. Allez, Torch et Pirate, y'a pas besoin de pièces. Oui, c'est vrai. C'est le meilleur plan. Le rogue sur les plans, sur la planche. C'est bien. Bon, y'avait mieux, hein, mais c'est pas grave. On est là pour s'amuser, vous savez. Je sais que vous comprenez pas ce concept, mais... Ça va, on s'en sort bien. Destruction, incendie. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Personne ne doit survivre. Ok.
de lumière. Personne ne doit survivre. Personne ne doit survivre. Un Onka rapide. Un Onka rapide. C'est zéro. C'est chaud bouillant. Oh, on rigole quoi. Si on a même plus le droit de rigoler, qu'est-ce que je vous dise. Bon, par contre, il a son pouvoir qui ralentit vachement le truc. Donc ouais, voilà, tous ceux qui se retrouvent à zéro quand il fait son pouvoir, c'est vraiment de la bite en bois. Va falloir grimoire et tomber sur un truc indécent. Venez du côté des ombres. Mais qu'est-ce qui... Faut que je tue avec ma Sylvanas. C'est le seul trade, sinon c'est de la bite. Destruction, incendie. Ah oui, sinon je ping ma 3-1, oui. Bah oui, bien sûr. Ah mais j'ai pas face avant. Excuse-moi YouTube. Ah mais c'est pour... vous savez, YouTube, ils aiment bien le spectacle, donc c'est un play un peu spectacle. Un jour, je serai comme vous. Ah mais je repose quelqu'un qui va pas pouvoir attaquer. Enfin si, pour un. Putain, c'est zéro. Ah non, si. Il y a moyen de s'amuser avec tout ça. L'autre, il a 10 points de vie, mais il peut pas attaquer. Si seulement j'avais un sort qui boostait son attaque. Oh, rigole. Hein. On est là pour l'entertainment. Voilà, il refait son truc de mort. Oh non! Ah, mes secrets! Ah oui, mais je m'en fous, c'est juste je le copie, c'est de la bite en moi. Énorme, huge. Putain, mais quel casse-couille quand même, hein. Est-ce que j'ai une bête? Ah si, mon corbeau. Mon corbeau, c'est une bête. De toute façon, il coûte zéro. Donc. Je peux poser mon 3. J'ai posé pour poser des trucs, quoi. Ça augmentera le dégât de cette merde. Ah! Ah mais du coup c'est une bête. C'est une bête le roi Mukla. Mais est-ce que ça va considérer que c'est une invocation si ça passe par ça? La réponse immédiatement. Yes. 1-6-6 insensible. Yes. Ok. L'étale avec quête. Hein? De toute façon, lui, il était obligé d'attaquer un serviteur. Mais non, mais l'étale avec quête, comment ça? Parce que ça, c'est un serviteur, donc non. Il habite en bois. Il habite en bois, ce que vous me dites. Il habite en bois. Moi, je pense que tout ça, c'est des conneries. On s'emmerde. Si vous vous emmerdez, dites-le moi dans les coms. Qu'est-ce que je branle? Je sais pas.
garde mes sorts pour mieux. Avez-vous peur? Bon, là c'est mieux. Ok. Ok, c'est nul. Ah, voilà. Mais non, je suis con, j'aurais dû envoyer mon légendaire. Bon, c'est pas grave, on va gagner en 12 tours. J'espère que ça n'embête personne qu'on gagne en 12 tours. Ah oui, Kate passe un tour, donc annule son debuff d'attaque. Ah oui. Pourquoi j'ai pas de mouton depuis tout à l'heure? Pourquoi j'ai pas de mouton? Oui, mais c'est chiant parce que je peux tuer ma Sylvanas. Mais bon. Grâce aux enseignements. Récupérer cette merde, c'est chiant. Moi, j'aimerais récupérer lui. Mais est-ce que je peux récupérer lui à coup sûr? C'est par horde, Sylvanas. Non, c'est aléatoire. Donc, faudra que je tue d'abord cette bite en bois. Et j'ai une Sylvanas là en plus. Si je la tue, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bah si, c'est bon. Et je me retrouve à 7. C'est juste, je peux pas faire ça, alors que ça peut être utile. Ah oui, je le sors à 0. Ah oui, mais du coup, il va me détruire quelqu'un. Bon, bah, il va me détruire quelqu'un. C'est vrai que c'est fun. Non, mais... Il me détruit Sylvanas. Mais je pose. 7 merde. C'est énorme. Putain, en vrai ça me casse les couilles, tiens, hop. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Bon, les prochains tours, on fait double tour et c'est gagné, quoi. Il m'aurait tué le roi Mukla, j'aurais été... C'est peinard. Oh, mais tu me casses les couilles, Michel. Hein? Ouais, non, il faut le terminer maintenant. Hein. Ça suffit maintenant, ces conneries. Pardon, excusez-moi, ça me fait rire. On a le droit de rigoler ou pas? On a encore le droit de rigoler? Attendez. On est bien d'accord. C'est tellement de la piton. Ouais, alors donc là, on est d'accord. Mon tour bonus, c'est du plaisir. Mais on s'en fout, on a gagné. Vous êtes pas content pour moi qu'on ait gagné? Ah mais non, regardez. Le debuff reste. Putain, mais cette info de chat. Ah oui, j'avais gelé un adversaire, j'avais pas vu. Idiot. J'aurais pu lui mettre plus de... Vous avez pas l'impression de m'avoir arnaqué par hasard? Personne ne doit survivre. Le soleil. Bon, je crois qu'on a gagné quand même. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait comme bite en bois? On est des dingues. J'ai même pas bougé le cul de mes serviteurs, on est des dingues. J'ai vidé ma main. Vous voyez, c'est opti. C'est une partie totalement opti. Oh là là. Oh là là, deux légendaires, trois légendaires. Huit légendaires. Découvre un serviteur légendaire en invoque 5 copies. Donne +2/+2 à un serviteur allié et on invoque 2 copies.
Ça aussi, c'est très très fort. C'est plus fort même. Quoique, le serviteur légendaire, c'est une découverte. Mais c'est 9, tandis que là, pour 2, c'est n'importe quoi, c'est de la bite. Mais c'est n'importe quoi, coupe banane, c'est trop puissant. Surpuissance, une fois que vous avez joué une carte pendant ce tour, la rejoue. Type choisi au hasard. Non, mais choisi au hasard. Mais la banane, c'est insane. Genre, oui, sur le mucla. Non, mais coupe banane, c'est complètement insane, c'est broken. Ok. Parchemin changeant, double parchemin changeant. C'est quoi cette connerie? Chaque tour ou cette carte. Ah oui, ça me change mon hero power? Non, pas du tout. C'est une carte gratte. Ah oui, non, c'est de la merde. Oui, c'est le truc, chaque tour, ça devient un autre sort. C'est la RNG, vous aimez. Ah oui, mais du coup, c'est pour ma quête. Oh là là, ajoute deux serviteurs. Oh là là, c'est extraordinaire. Bon, brûlé, évidemment. Mon reflet de magma, on connaît rien. Météore, c'est très fort. Et là. Bon, ça, c'est... Oui, d'accord. Du dégât des sorts. Du dégât des sorts. Dégât des sorts, c'est pas trop notre délire. On a très peu de choses qui font du DPS. En sortilège. Main du destin, c'est la foire à la saucisse, un peu, hein. Là, la seule valeur sûre, c'est brûler, mais la foire à la saucisse. Ça marche pas pour la quête, le parchemin. Ah, merde. En fait, Météore, évidemment que c'est fort, tout ça, toutes ces merdes. Mais le fait que j'ai rué, j'ai pas vraiment besoin de tout ça. Bon, à part la copie, c'est cool. Bon, bah, ça va être brûlé, hein, je crois. Joseph tout à l'heure. Allez. Arrêtez elle, pauvre reine. Constitution Kobold, être très clair. Invoque un serviteur du deck de votre adversaire. Quand le serviteur meurt, le lui rend pour 3. Mais c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Ah oui, j'ai oublié de le rajouter dans mes reaction videos. Faut que j'en rajoute là, parce qu'on a, on a que Fanta, Finky, Travolta. Tellement magique et le what the fuck man. C'est honteux. Je te sens bas les couilles. Ok. Bon. Des bisous YouTube. A tout de suite. A plus tard. Re-YouTube. Ok, Souveraine Sirène, donc oui, elle peut... Putain, elle invoque un truc de mon deck, quoi. Motherfucker, heureusement que j'ai rué, hein. Merci 777620 pour le Prime. Alors, oui, ça c'est très bien. Avec ma quête du schnapps. Ah oui, mais du coup, elle va... Ah non, c'est bon, parce que ce sera T3 qu'elle va invoquer un truc. Genre mon crasher de... D'accord. Mais j'aurai deux sorts. Ah putain, mais mon déchiqueteur. Ah, quelle vie de merde. Ah, c'est un serviteur aléatoire de mon deck. C'est-à-dire pour 3, elle peut invoquer un truc à 8. Bon, heureusement que je suis curvé. Agréable être reine. Ça va être perte de temps de moi. Ah non, de mon deck, lol. Hein? Conserve tous ses enchantements et l'armée dans le deck. Mais putain, mais nique sa mère. Nique sa mère. Tenir à moi. Mais quoi? Mais merde. Oh,
Mais pourquoi elle a 5 de mana déjà? Ah mais ça l'invoque pas pour moi en plus, ça me le remet juste dans ma main. Et ben nick. Nick. Pour la peine, musique forte. Ça va, on s'en sort bien. Baisse la musique, d'accord. Ben, c'est pas mal. C'est un peu de la merde tout ça, hein. Parce que ce que j'ai sur le board est pourri. Ensuite, on peut le garder pour plus tard. Lien pour la quête. Ah oui. Comment ça, lien? Merde, j'ai pas eu. Ah oui, parce que j'aurais volé son sort. Bon, c'est pas... LOL. Déso. C'est de la bite. Mais du coup, est-ce que ça va trigger ma quête quand ils vont arriver? On va le savoir. Mes yeux sont grands ouverts. Qu'est-ce que c'est que ça? Je croyais que j'avais le déchiqueteur. Ah non, c'était avant. Bah oui, c'était avant. C'est honteux. Bah c'est nul parce que j'ai des sorts bien, mais j'ai pas envie de dupliquer ces merdes. Ah mais c'est un méca ça. Good vibes. Merde, j'ai pas lancé de sort, du coup je vais le trade. Peut-être pas, hein. C'est chaud bouillon. Moi avoir assez de voir lui. Trahir pour pire. Hein, quoi? C'est nul. Putain, mais tout est nul. Tout est archi nul. Mais non! C'est honteux!
Oh. Ah ouais. Avec le petit râle d'agonie doublé. Nice. Ah bah oui. Vite. Non. Non. Oh, elle peut récupérer le Rhino 6-9, hein, c'est ok tiers, hein, je vous le jure. Je suis con. Parce que ça va l'invoquer en 5-1. Je suis une raclure parce que je voulais invoquer, je voulais copier Sylvanas. Ah mais en plus je peux tout ramener dans ma main. Mais là j'overdraw si je fais ça. Donc non. Qu'est-ce qu'on s'éclate? Copier un taunt, non mais c'est bon, hein, au bout d'un moment, ça va se voir. Ok, c'est nul. Pose encore, pose encore. Oh. Ah merde. Ah zut. Dommage. Putain, ça aurait invoqué. Ça aurait invoqué un vieux déchiqueteur 5-1 qui aurait donné deux légendaires. Quel dommage. Ok. Quel dommage quand même. Ah oui, mais qu'est-ce que ça fait? Ah non, c'est horrible. Parce que l'oral d'agonie, si je le récupère... Et si je le récupère, je lui redonne, ça se trouve. Ah ouais, c'est un délire, hein. Trois serpilleurs toujours aussi laid que quand lui bébé. Oh non! D'accord. Si tu veux, hein. Allez. Oh là là, mais c'est casse-couille. Très bien. Personne ne doit survivre. Ah oui, mais non, on a dit que c'est chiant de la tuer avec Sylvanas. Parce que sinon, c'est lui qui va la récupérer, non? Ah mais moi, vu qu'il a râle d'agonir, ça renvoie la carte dans la main de l'adversaire. Si je la récupère, je me fais baiser. Quand il mourra, en tout cas. Mais quoi qu'en vrai, ça reste ok. Parce que s'il meurt pas, mon dragon... Ouais, non, en vrai, c'est le mieux. Hein. Totalement acceptable. Ah voilà, il garde ce râle d'agonie de mort.
toute façon, c'est full débile. Je pourrais utiliser mes secrets et mes sorts, mais c'est pas grave, on s'éclate. Ok. Je suis à combien sur ma quête? Parfait. Parfait. Ah mais non. Est-ce que je veux pas les deux légendaires en vrai? Mais je suis con. 17. Et 18 avec le ping. Mais ma vie est aussi merdique que ça? Je suis one off. Bon bah vas-y alors rigolons. J'ai envie de rire. C'est bon de rire. Voilà, non mais c'est bon de rire. Comme par hasard. Énorme. Ah, c'est terminé. Ah merde, alors on a fait une pause pour 15 minutes. Mais du coup, on peut commencer un nouveau run avec les éléments. Oh là là! Ah oui! Attendez, non mais non, là c'est le meilleur moment. Ah, je peux l'acheter avec 700 gold. Mais on est bien d'accord que là il est pas encore dispo, donc ça sert à rien. C'était marqué là. Y'a que le chapitre 1 pour l'instant, non? Il me semble. Ah si, il est dispo. Tout est dispo. Je crois que les autres ils sortent dans quelques jours. Ah. Ah oui, l'aventure complète c'est à 20 balles. Ah ouais, énorme. J'adore donner de l'argent à Blizzard. C'est les frais de société. Mais d'abord légendaire. Sur 8 paquets, est-ce qu'on aura une légendaire? Pas mal déjà. Ça c'est le basique. Hein. Alors tout à l'heure j'ai eu une légendaire en 3 paquets quand même. Allez, pas d'embrouille, je fous le space bar. Pas le temps de niaiser. Ça va être énorme. Il
Regardez, c'est dans les, c'est dans la dernière extension qu'on va tout avoir. C'est pour vous que je fais ça, c'est pas pour moi. Hein, hein. Ah mais non mais avec des récompenses aussi nazes à 20. Mais le chapitre 1 était gratuit, donc là c'est pas à 20 balles. Les récompenses qu'on a eues c'est gratos. Mais c'est de l'habitant en bois. Et de toute façon les aventures en vrai c'est surtout rigolo à jouer quoi. Ça change, c'est du PVE marrant. Ah mais j'ai ouvert tout, tout moi. Donc c'était de la moule, de la pure moule. Merci à Zirafal F22 pour le prime. Love Power également. Elle est où la légendaire? C'est honteux. Alors attendez. Aventure. Hey, on peut rejouer ce qu'on vient de faire en héroïque également. Attendez, j'achète. J'accepte. C'est grâce à vous. C'est grâce à votre soutien qu'on achète des aventures et des boosters sur Hearthstone. Merci. Vous commencez la partie avec un des decks du mal de Zayl. Ah oui, c'est comme l'autre légendaire qui fait des decks du Schnapps. Okay.